Good morning, Alei, Dan et Sustra aujourd'hui, le Lunishma David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dora Batester, Lucienne Batraina, Lorléa Batbeila. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez-moi 5 minutes éternel. Nous étions au Sechon Nedarim, Perekret Mishnah Aleph. Konam Yain She'ea Shanitoem Hayom, et nous Asur, et la Ad Shetachar. Shabbat Zo, Asur Bechola Shabbat, Ve Shabbat She'ava. Chodesh Ze, Asur Bechola Chodesh, Ve Rosh Chodesh Lehaba. Shana zo, asur bechol ha-shana, v'rosh ha-shana le'atid levo. Shavua ze, asur bechol ha-shavua, ushvi'it she'avra. V'im amar, yom echad, shabbat achat, chodesh echad, shana achat, shavua echad, asur mi-yom, li-yom. On s'intéresse à présent, dans notre chapitre, à délimiter les périodes lorsque tu prononces une durée de neder, tu t'interdis une chose pour un jour, pour une semaine, pour un mois, comment exactement calculer le mois? Il faut calculer 30 jours, il faut calculer la fin du mois actuel. Qu'est-ce qu'on va faire avec le jour de Rosh Chodesh? C'est à peu près tout le sujet qu'on va avoir devant nous. À titre d'exemple, on est en ce moment en Tammuz, par exemple. Je m'interdis tout ce mois-ci de boire du vin. Tout ce mois-ci de boire du vin. Donc, ça n'implique pas 30 jours. En Av, j'aurai le droit de boire du vin, si ce n'est la fin de la semaine de Tisha B'Av. En tout cas, Shabbat, par exemple, je me suis interdit jusqu'à la fin du mois de Tammuz. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le jour de Rosh Chodesh? Prenez un mois, il y a deux jours de Rosh Chodesh. Est-ce qu'on va faire que le premier jour, c'est le 30e du précédent, c'est le début, mais ça s'appelle aussi Rosh Chodesh par rapport au mois d'après. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, c'est le principe de notre Mishnah qui va me dire « Konam yain shani toem ayom ». Tout d'abord, on commence avec un cas simple. « Aujourd'hui, je ne bois pas de vin ». Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, tu bois pas de vin. Aujourd'hui. Ça se finit quand la journée? La tombée de la nuit? Le lendemain matin? À minuit? 24 heures après? Alors, tu as dit aujourd'hui, et non assur, et là, acheter char. Tu t'es interdit la chose que durant cette journée qui se finit, vaï erev, vaï boker, c'est écrit dans la Torah. Une journée, ça commence le soir et ça se finit à la fin de la journée. D'accord? Et donc, du coup. Juste, et non assur, et là, Hachater Shach, il n'a interdit que jusqu'à que la nuit suivante va tomber. Et même s'il était 6h de l'après-midi, et que la Shkia, elle était dans 2h, et bien il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, durant cette journée, qui s'appelle le jour de mercredi, jeudi, et jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord? Ok. Deuxième cas maintenant, c'est qu'il a dit Shabbat Zo. Shabbat Zo, ça veut dire, c'est une semaine qu'on dit Shabbat, c'est pas le jour du Shabbat. On appelle toute la semaine aussi Shabbat. D'accord? Donc du coup, cette semaine-là, alors là, Michel va me dire deux choses. Asur Bechol Shabbat, d'abord, il interdit durant toute cette semaine. Là, ce qu'on va lire la paracha de cette semaine-là, Shabbat prochain. Avec en plus de ça, Ve Shabbat She'Avra. Attention, c'est de quoi Shabbat She'Avra? Le Shabbat dernier, non. Je ne vais pas m'interdire retroactivement la semaine dernière, mais putain, je prononce un éder aujourd'hui. Si on est mardi, je suis interdit qu'à partir du mardi jusqu'au Shabbat. Mais là, Michel vient me dire que sache que le Shabbat que tu vas rencontrer, il appartient à la semaine d'avant. Le Shabbat n'est pas le début de la semaine qui arrive. Mais c'est la fin de la semaine qui précède. Donc du coup, le Shabbat qui va arriver, il appartiendra à la semaine d'avant. Donc en fait, si tu étais un mardi, tu vas t'interdire donc durant cette journée du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et même le Shabbat. À la différence du cas, elle a dit Chodesh, c'est ce mois-ci, Asur Bechol Chodesh, il sera interdit de manger, de profiter, enfin de boire du vin, durant tout ce mois-là, le mois de Tammuz en l'occurrence. Mais avec attention au Rosh Chodesh là-bas. Le Rosh Chodesh qui arrive, il appartiendra au mois d'après. Et même s'il y a deux jours de Rosh Chodesh, c'est un grand chidouche. Parce qu'en général, quand il y a deux jours de Rosh Chodesh, vous allez prendre le mois de Av, du passage de Av à Elul. Il y a deux jours de Rosh Chodesh. Le premier jour, c'est le 30 Av. Le deuxième, c'est le premier Elul. Tout ça, ça s'appelle Rosh Chodesh. On fait le Moussaf dans la Tfila. Et bien, malgré tout, dès que ça arrive Rosh Chodesh Elul, eh bien, tu auras le droit de boire du vin, même si tu es encore dans le mois de Av, apparemment, que tu interdis. Parce que Michel me dit justement, le Rosh Chodesh là-bas, le Rosh Chodesh appartient au mois qui va suivre. Ensuite, Shanazo, je m'interdis cette année, à Sourde Cholachanan, il n'aura pas le droit de tirer profit durant toute cette année, 5783 en l'occurrence. Mais malgré tout, le Rosh Hashanah est à Lavo. Lorsque va arriver Rosh Hashanah ensuite, alors, ça appartiendra au jour, à l'année suivante, donc tu auras le droit de boire du vin ensuite. Si tu as dit Shavuazé, je m'interdis durant cette Shavua, c'est pas une semaine, c'est un septennat. C'est durant, c'est un groupe de 7 années, on calcule en Shemitah, donc on appelle ça une Shavua.
Eh bien, dans ce cas-là, Assur Bechol HaShavuot, interdit durant toute cette septennat, durant toute cette année-là. Et Ushvit, Shavre, la Shvit appartient à l'année qui est passée. Ça, jusqu'à maintenant, il a dit, quand il précisait, aujourd'hui, ce mois-ci, cette semaine, cette année, ce septennat. Par contre, s'il a dit, Shavuot, Veimamar, Yom Echad, un jour, je m'interdis, un jour, je ne mange pas, je bois pas de vin. Ou encore, Shabbat Achat, une semaine, je ne bois pas de vin. Il n'a pas dit cette semaine. Chodesh Echad, un mois, je ne bois pas de vin. Shana Achat, une année, je ne bois pas de vin. Ou Shavua Echad, ou un septennat, je ne bois pas de vin. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit Asur mi yom le yom. Il sera interdit du jour jusqu'au jour. Ça veut dire que s'il était 2h de l'après-midi, tu as dit une journée jusqu'à demain, 2h de l'après-midi. Si tu as dit une semaine, tu calcules comme ça, c'est toujours ce qu'on appelle mi yom le yom, jour après jour, au même endroit. Ça s'appelle encore dans la Gemara en général, ça s'appelle me'et le'et. Depuis un instant jusqu'au même instant le lendemain, ka'et raya. Le même instant midiouk, demain. Ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, selam.